plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur, we've been hanging and banging, brother. La foule est en délire, the fool is in the liar. WCW. New World Order. J'ai la chair de poule. Comme disent les Américains, I've got the chair de poulis. TNA. Impact. L'arbitre demande le prix. Et on parle pas de fromage. T-O-W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original. Vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Épisode 2 sur les équipes tag team au CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Bonjour, Marc. Salut, Patrice. La mesdames, messieurs, très bon, très surette. Ouais. Deux en ligne. J'étais un petit peu chaud. Ben c'est 5%. Hein? Mais c'est pas beaucoup comparativement aux bières régulières. Mais à la fin, c'est ça, 5 ou 5,5 une bière. Aucune idée. Ouais, moi, je bois toujours de l'autre source. Hé, hey, boboy! Mais c'est très bon. Longue vie à la mesdames, messieurs. Marc, j'ai pas le temps de niaiser parce que là, le compteur roule. Puis en plus de ça, t'as des très bonnes entrevues. Qui s'en vient en plus des questions de nos auditeurs. Oui, puis j'ai des commanditaires à plugger. Moi, ouais, je voulais pas dire. Je voulais pas dire plugger, mais tu l'as dit. Ouais, à brancher. Ouais. Parce que un des partenaires, c'est Gestion de patrimoine IG, les amis du bureau de Montréal-Rive-Sud. Et comme je l'ai dit dans les semaines passées, moi, j'ai 63 ans, 1958, la retraite approche. Alors, si vous commencez à planifier où vous êtes là-dedans pour planifier votre retraite, écrivez-moi en privé, je vais vous mettre en contact. Ce n'est pas des achalants, c'est des gens qui connaissent bien leur affaire. Et si moi, je leur ai demandé d'être partenaire avec moi dans le podcast parce que j'ai confiance en eux. Alors, merci à toute l'équipe de gestion IG Patrimoine du bureau Montréal et Rive-Sud. L'été n'est pas terminé, donc on a du stock à écouler encore. Oui, je regardais ça dans mon inventaire. Et d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un. Je travaillais avec quelqu'un. On a encore des camps de jour, tout le kit, M. Fun, le fils à mon épouse, Vincent. Et il va m'aider. Je vais possiblement, pour l'automne, avoir ma propre boutique en ligne. Fait qu'au lieu de que ça soit compliqué, puis tout ça, lui dit « Marc, je te fais ça, c'est facile. Toi, tu t'occupes des photos, je m'occupe du reste. » Ça serait la boutique CIM. Okay. Et puis, tu aurais tous les items. Puis j'imagine que les items qui s'en vont directement chez Chantal pour CFGL Métaux Trophée Concept, ben ils s'en vont direct là, la commande. Puis les autres, ceux que moi j'ai, les verres, puis tout ça, ça s'en vient direct chez nous. Okay. Fait que ça, c'est intéressant. J'aimerais qu'on en profite, Pat, pour souhaiter bonnes vacances. Oui, je vais juste te demander, Marc, on va où est-ce qu'on se procure en attendant nos produits du CIM? Ben tout ce qui est, je m'en ai dit, Guinée, mais... Tout ce qui est vêtements, T-shirt, hoodie, ça, c'est directement avec Chantal, Trophée Concept, CFGL Métaux. Chantal va s'occuper de vous. Les T-shirts de la Bédame Bessieux numérotés, plusieurs numéros sont partis. Toi, hey, Poteau, tu sais, notre ami Poteau, il a choisi le numéro 69. Give me a hell yeah! Lui, il fait ça pour. S'il se rappelle l'année 69. Ben oui, tout était beau. C'était. Tout était beau. Non, c'est en 67. C'est en 67, ouais, pour dommage. C'est ça. Ouais. Mais c'est encore disponible. Il en reste encore sur la quantité limite qu'on s'était mis de 48. Alors, ça aussi, choisissez votre numéro et écrivez à Chantal.
plusieurs amis. Marc Dubois a commandé le sien. Toi, c'était le 28. Oui. Pierre, le 51. On a parlé de Poteau. Là, j'ai justement, tu as un des fans de l'Europe, David Joie. Lui a commandé le numéro 20. Et Patrice, on n'a pas été capable de livrer la bière en Europe. Non, ça marche pas. C'est hyper compliqué, puis c'est illégal ou je sais pas trop quoi. Et David, on va faire l'essai, m'a demandé d'y envoyer des bouteilles vides. Fait que moi, je garde les bouteilles. Puis tu y envoies la recette. Bonjour les amis, je suis le chef Grosjean. Du bon manger, je suis le cerveau. Mais on me pose toujours la question. Quelle est la recette du castillon? Je garde les bouteilles, puis j'ai comme un genre de tissu que mon chum Alain Brochu m'a donné. Et je vais remplir la bouteille de ce tissu-là pour empêcher qu'elle pète. Qu'elle casse. Qu'elle casse. Et puis, je vais y envoyer. Puis s'il y en a qui veulent des bouteilles vides, vous me le dites. Je ne vends pas les bouteilles. Là, mais je les donne. Là, fait que c'est juste vous payer les frais. Là, moi, j'ai apporté ma caisse au lac Saint-Jean. Puis je disais à tout le monde, non, je peux pas te les laisser. Il faut que je les ramène. Puis là, j'ai ramené une caisse de 12 vides. Ça sentait à charogne dans mon garage. Un garage. Un gros garage. Bien, moi, à chaque fois que je prends une bière, je la rince à l'eau, puis je la fais sécher. Je pense pas à ça. Ben c'est, toi, penser, c'est pas ta force. École que tes langues sales! Mais bref, est-ce qu'il faut que je te les ramène, les bouteilles vides? Ben là, c'est à toi. C'est 30 cents chaque. Okay. Fait que 3 fois 12, 36, t'as 3,60$ pour mettre sur ta prochaine cour. Ben là, j'ai ramené deux planches en plus. Là, j'ai vu la terrasse à Pierre. J'ai dit, c'est clair, c'est fini, il retourne cette année. Là. Puis, pour ce qui est de mon côté, les verres thermos, les verres à bière, les verres à whisky, gin, scotch, whatever, rhum, et les verres à vin, contactez-moi directement. J'ai pas eu le temps de faire la pub, mais regarde, on est là pour un bout, là, fait que... Puis j'ai parlé avec notre chum du café. Ben c'est ça, je voulais dire avant d'entrer dans l'émission. Là, ça, c'est ça compliqué. M'intéresse, mais c'est pas comme un T-shirt à poster. Mm-hmm. Tu sais, c'est pesant. Fait que, je sais pas, on est en train d'y penser. Moi, j'essaie de trouver un jeu de mots. Et le mot que j'ai trouvé, qui était le plus proche de café, c'est kayfabe. J'essaie de trouver de quoi qui a un lien. Mais pourquoi tu ne gardes pas le terme la bédame bécieux? On le transporte dans la bière, au café. Le café, bédame bécieux. De lin. Ben, j'aurais aimé ça, trouver de quoi qui fait un lien avec le café, le matin, quelque chose. Okay. Mais garde. Le pas vite. Ouf. Ouf. Ça, il va y avoir deux, le trois. Pas jours. Vite. Okay. Ben, le matin, on est incroyable! Et bye-bye! T'as-tu écouté mon show samedi dernier? Où ça? Ben, Fight TV? Non. Slammiversary? Je suis trop pauvre encore pour me payer un pay-per-view. T'es pas trop pauvre? C'est parce que t'as trop investi sur ta course. Non, c'est parce que j'ai un bidule que je peux écouter des free purview. OK. Ça, il l'a pas en français encore. Ah, OK. Mais j'ai écouté la semaine passée le UFC. Anyway, on s'éloigne. Bref, Marc, on revient à nos moutons. Gros épisode aujourd'hui. On a eu des entrevues avec des personnalités connues dans le monde de la lutte professionnelle. En plus, des questions qui nous ont été envoyées au CIM. SYMM1958@commercial.gmail.com. Et puis, notre réalisateur nous disait que très populaire notre épisode sur les questions demande à Marc. Donc, soyez patients. Encore 13 épisodes. C'est ça. Ça va. 12. Ça passe tellement vite. Ouais, exactement. Écoute, quand c'est bon, ça passe vite. Est-ce qu'on passe à la première question tout de suite? Vas-y. C'est pas des questions. Non, on le fait tout de suite. Je sais tes questions, c'est des suggestions. C'est même pas des suggestions, c'est des commentaires. T'arrêtes-tu de m'arrêter? Bien, t'attends-tu d'être professionnel? Non, monsieur! En parlant de professionnalisme, on a une question des Europes. Un Français de France qui vit en Europe, Monsieur Justin Lepage, Juan David, c'est tout ça? Je sais pas. Juan David. David Juan. David Juan. Ouais. Pourquoi il écrit Justin Lepage? Ben, j'ai aucune idée. C'est son personnage. Appelle-les, je sais pas. C'est tes amis, moi je connais personne. Salut Marc, un de mes vieux souvenirs est un running gag que vous disiez souvent en onde.
me souviens plus qui co-animait avec toi. Le Colorado, c'est bien plus beau que les États-Unis. Oh, yeah! Ça, ça n'a pas rapport avec... Ben, parce que je lis le courriel que tu m'as donné. OK. Jamais sur l'origine. Je crois que vous aviez fait un escale là pour un show de lutte. Peut-être commentaire, entendu au port, blablabla. Ben, je vais répondre. Je vais répondre parce que c'est avec le tourneur. Puis on a fait ça pendant des années. Le gag, oui, c'était on est allé au Colorado pour la WCW. Et au Colorado, c'est le tourneur qui a commencé à dire ça. Me semble, lui ou moi, là, Colorado, c'est bien plus beau que les États-Unis. Puis ça a roulé pendant des années, des années. Pour moi, il y a deux équipes qui sortent du lot, les Road Warriors / Legion of Doom à la WWF, dans ton temps, excuse, et les Steiners Brothers. Dans la définition des meilleures équipes, je pense qu'il est important d'avoir remporté des titres dans différentes fédérations. Peut-être aussi une des raisons du manque de star power. Ne pas être reconnu comme le produit d'une fédération, mais bel et bien comme une entité à part entière. Il a touché le jackpot. C'est vraiment deux bonnes équipes. Puis j'essaie de repenser à ça, les équipes que moi, ils m'ont marqué dans les années 90-2000. Puis la résistance, oui, mais il n'y avait rien vraiment qui sortait du lot. Parce qu'en 2000, c'était le rachat de la WCW. Puis ils ont cassé la magie pour faire l'ère... Ruthless Aggression, fait qu'ils ont combiné des combattants simples pour faire des équipes éphémères. Ouais. Mais ça, il y en a eu aussi des équipes éphémères parce qu'un soir donné, ils décident de mettre ces deux-là en équipe contre quelqu'un. Puis, mais écoute, c'est sûr, tout le monde, Legend of Doom, c'est une des équipes qui revient souvent. Il était impressionnant. Ben, tu sais, Mastrocola, à l'épisode dernier, il parlait de Demolition. Ouais. Puis c'est vrai que Demolition était quand même une équipe imposante dans ces années-là. Puis à la TOW 7, j'ai eu la chance d'arbitrer le combat de Demolition face à, justement, les frais Handsome GF et puis... Jeff Rassett à la TOW. J'ai un autre commentaire ici. Mais avant, il a parlé aussi des Steiners. Les Steiners, que j'aimais beaucoup, c'est un peu ce que je t'ai parlé lors de l'autre épisode. Quand je t'ai parlé de la Hart Foundation, je t'ai dit le mélange des styles. Bret Hart avec The Anvil. Oui. Les Steiners, c'est un peu ça. Rick et Scott étaient deux styles différents. Ça me fait penser... C'est ce genre de match-là que j'aime. Là. Quand je dis match, je parle pas du combat, je parle vraiment de cette chimie, ce lien entre les deux qui sont différents. Un qui est plus la force brute. T'sais, c'est sûr que Demolition, les deux, c'était pareil. Legend of Doom, un peu. Mais oui, David, merci de tes commentaires. Puis... t'as vraiment touché un bon point. Bonjour Marc, bonjour Patrice. Tout d'abord, merci pour le podcast dont je ne rate pas un épisode. Votre duo fonctionne bien et j'ai plaisir à écouter tous les souvenirs de Marc. C'est très cute. Pour ce qui est de l'épisode du jour, je ne sais pas si la pire équipe va vous parler tellement elle était useless, ça veut dire elle servait à rien. Inutile. La BWO, la Blue World Order à SmackDown, qui est une parodie ratée de la NWO, arrivée trop tard, dont les fans en avaient clairement rien à faire et avec des catcheurs, à mon avis, très moyens pour la meilleure équipe. Et le choix fut difficile, ça serait Edge et Christian. Leur complicité, leur gimmick génial, les angles qu'ils nous ont offerts, le charisme, le mic skill... J'ai vraiment adoré cette équipe. Si jamais je suis lu, je vous remercie. Bonne émission et longue vie au Sim. Puis lui, c'est un autre de l'Europe, ça, parce qu'il parle de catcheur. Oui, exactement. Son nom, est-tu là? Ben, c'est encore David Jouan. Encore? Oui. Bien sûr. C'est ça, les deux feuilles que tu m'as données. Tu peux les relire si tu veux. Ah, ouais. Pour la BWO, j'ai fait mon historien tantôt. C'était une gimmick qui avait non, été non, parce créée. Que Ghislain Lepage, c'était le courriel qu'il y avait en haut. Ah. OK, celui qui a parlé là, du Colorado, tout ça. Mais ça, je te dis, après, il y a un nom, un personnage? Mais non, David, lui, nous a parlé des Road Warriors et des Steiner Brothers. Et puis... l'autre, ce n'était pas... C'est Willie.
Willy qui vient de parler de Blue World Order. C'est écrit Willy? Oui, c'est écrit Willy en haut. Parce que moi, je fais des copier-coller, là, fait que surtout aujourd'hui... Ouais, t'es un petit peu pressé. J'ai pas amené de valise. Exactement. Fait que là, c'est clair, tout le monde sait qui a parlé, tout ça. T'as de la misère en tabarouette avec ça. Hey, boboy! Puis pour ce qui revient, on revient pour la Blue World Order, c'est ça, ça a été fait à la vieille ECW avant qu'elle soit achetée par Vince. C'était une parodie avec Stevie Richard de Blue Mini, puis malheureusement, la troisième m'échappe. J'en suis désolé, j'aurais dû faire mes recherches avant. Mais t'es pas préparé. Je suis pas préparé parce que j'avais pas la question. Ouais, mais tu devrais le savoir. C'est sûr, je devrais le savoir, mais je cherche son nom. Pas grave. Ça, je pense que c'est Dean. Après Simon la pause. Dean. Après Simon la pause. Dean, je pense que ouais, c'est ça. Ça se peut. Après la pause. Pas lui qui est venu à TOW aussi? Je pense que oui, parce que c'est un bon ami à Sylvain Grenier. Il a fait quelques années à la WWE. Fait que là, on va, au retour de la pause, on va écouter Paul Leduc, qu'on a eu en entrevue il y a quelques semaines. Et là, les frères Leduc, les... toi, t'as quel âge? 43 ans. 43. Je sais pas, toi, ça doit pas rien dire. Fait que, mettons, les 50 ans ou 55 ans et plus, et on en a dans notre auditoire, les années 70 au Québec, c'est sûr que les frères Leduc... C'était très fort. Alors, Paul va nous parler de justement des équipes de cette époque-là, de son équipe, le travail, comment que ça se faisait. Alors, ça devrait être très, très, très intéressant. Et plus tard dans l'émission, on aura Pierre-Carl Ouellet qui va nous parler aussi, une autre génération de lutteurs qui ont travaillé en équipe. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960. Écoute, Paul, je veux te parler des équipes parce qu'il y a un autre épisode que je fais, c'est sur les tag teams. Et moi, ce que je me souviens, je ne sais pas si c'était sur le matelas quand j'étais jeune, puis où j'avais été impressionné, il y avait deux lutteurs masqués. Puis quand il y en a un qui était brûlé dans le ring, il allait en dessous du ring, puis le frais sortait. Puis ça m'avait comme marqué. J'étais là, ben voyons donc. Et il y avait les scorpions. Ah, tu vois, les scorpions. Incroyable. Les scorpions, c'est deux personnes que tu connais bien. Un, c'était Chili. Il avait importé cette gamique-là du Mexique. C'était Chili. Puis l'autre, ben, il se l'est formé lui-même. C'était un ancien arbitre qui s'appelait Fernand Fréchette. Ah, ouais. Fait que là, tu viens de casser mon kayfabe, là. Et puis, toi, tu as fait ta carrière, en tout cas, une grosse partie de ta carrière en équipe avec Joe. Et le travail, parce qu'on en parlait, j'en parlais avec Bertrand Hébert, justement. On se disait que malheureusement, aujourd'hui, on dirait que les fédérations comme celle de Vince, ils ne veulent pas pousser trop les équipes. Puis pour moi, je trouve que c'était tellement divertissant. Comment tu as vécu ça dans les années 60, 70? Toi, surtout 70, j'imagine, là, les équipes, là, la lutte en équipe. C'était l'attraction. C'était à l'époque, dans les années 70, les frères Vachon, les frères Leduc, c'était une époque marquante pour les lutteurs en équipe. Parce que un combat de lutte en équipe, là, ce que le monde ne peut pas comprendre ou ne comprenait pas à cette époque-là, tu peux pas avoir deux hommes forts contre deux hommes forts. Tu vas prendre Mad Dog, c'est 5 pieds 8, à peu près 220 livres, Paul Vachon, c'est un gars de 300 livres. On va en dessous de 6 pieds 2. On va en dessous, ça prend
un dominant, ben, un autre plus bas qui va se sacrifier. Moi, ma job avec Joe Leduc, c'est de préparer tout simplement le finish à Joe, là. C'était ma mission à moi, ça. Ça, c'était accepté. Il faut que ça soit accepté parce qu'aujourd'hui, les gars ont un kick, les deux veulent aller over. Ben ouais. Tu ne peux pas faire ça. Il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie au détriment de l'autre parce que tu viens de briser la joie au spectateur. Parce que le spectateur, il faut qu'il souffre. Moi, je faisais souffrir. Avant-tu, j'ai vu, c'était, je pouvais les sentir. Des places comme à Tours, à Québec, on était à court, le monde était tellement proche, là, je les attendais broyer. Hey, imagine-toi. Lâchez-les, tabarne. Puis j'imagine, quand tu faisais le tag avec Joe, ça devait sauter. Oui, des fois, c'est ça qui a été le plus dur pour Joe. Le moment. Faire les false types, ça, c'est un apprentissage. Mais toi, tu l'avais, que... tu l'avais plus que lui, puis tu as quand même transmis. Ben oui, Joe, c'est moi qui l'ai entraîné, là. Joe, c'était un judoka. Puis généralement, les judoka, on avait beaucoup de misère avec lui dans le. Il a fallu que je le déprogramme de son judo pour y créer. Parce que lui, il avait, avec les frères Lortie, il avait dépensé une fortune pour essayer de faire de la lutte. Et c'était de l'exploitation à cette époque-là. Hein? Hey, c'est un campagnard. Il avait un petit peu de cash. C'était ça. Puis vos bagarres, vos feuds en équipe, là, les adversaires que vous avez attirés le plus, c'était qui dans ce temps-là? Les poudrés de Hollywood. Ah oui, oui. Tu te rappelles de oui. ça? Ah oui. Et poudrés de Jack Harbert, puis l'autre, comment est-ce qu'il s'appelle en tout cas? Vois-tu, les autres à l'intérieur, il y avait le beau bonhomme qui était Dale Harbert, puis tu avais l'autre qui était un peu médiocre. C'est pas deux pareils, là. C'est en prenant un qui chaînait, puis un qui souffrait. C'est l'histoire de c'est la base des combats par équipe. Tu sais, Paul, excuse de te couper, il y a des jeunes oui. lutteurs qui nous écoutent, là. Puis tu vois, quand oui. tu dis c'est la base, faut souffrir, faut pas que les deux s'aident toujours over. Puis tu as fait 20 ans de carrière dans le ring. Fait que si vous écoutez ça, essayez de prendre le conseil de mon oncle Paul. Mais mon oncle Paul, le conseil, il l'avait appris de Johnny Rougeau. Parce que Johnny, c'était un peu ça, lui puis Yvon Robert, puis tout ça, avant qu'il démêle tout ça, là. T'avais Larry Moquin, il tassait Larry Moquin, Yvon pour essayer de lancer Johnny, et puis vice-versa. Parce que tu prends l'équipe de Yvon Robert, Seigneur, puis Larry Moquin, c'était ça. Larry était le souffle-douleur, il faisait maganer. Deux tours false-type, puis une tête, puis il finit. Puis là, le 10, c'était Yvon Robert. 10 minutes après, il se rappelle même pas de Larry Moquin. Là, c'était Yvon Robert qui avait gagné. Mais la job avait été faite par Larry Moquin. Puis dis-moi, les Johnny puis Jacques Seigneur, ils ont-tu été souvent en équipe dans ce temps-là? C'était dur pour Bob Langevin. Parce qu'oubliez pas que Bob Langevin a été le souffre-douleur, a été, comment est-ce qu'on appelle ça, pas le souffre-douleur, était le Reichman. C'était le gars, quand Yvon Robert sortait de
sortait de Montréal. Oui. Quand Yvon Robert sortait de Montréal, puis allait à Boston, c'est Bob Blanchin qui allait mettre Yvon Robert au mur à Boston. Comprends-tu, dans toutes les premières apparitions qu'Yvon Robert faisait dans toutes les villes, c'était Bob Blanchin qui était son adversaire, qui était le right man. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Tu sais que quand tu as atteint un niveau, peu importe, là on parle de lutte, mais importe, peu importe dans la vie, quand tu as atteint un certain niveau, là, il y a toujours eu des faits marquants. Ouais, le fait marquant, le gars qui a bâti Yvon Robert, là, c'est pas Eddie Quinn, là. C'est Bob Blanchin. Ah. C'est comme tu dis, des faits marquants, il y en a, puis il va continuer à en avoir. Puis pour finir notre affaire sur les équipes, les tag teams, toi, ouais, de ce que tu as vu dans ta carrière de lutteur, dans ton après-carrière, y a-tu une équipe qui t'a impressionné autre que les frères Leduc? T'as eu l'histoire des vachons, là. Au début, notre feud avec les frères Vachon, c'était Paul puis Maurice Vachon. Mais à un moment donné, Maurice s'est aperçu que Paul ne suivait pas la parade. Il l'a tassé. T'as dit tassé pour le vrai, là. Ah, ouais. Ah, il l'a tassé pour le vrai, là. Il est allé chercher, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, il est allé chercher un homme Smith qui était à Vancouver, qui a rebaptisé Rapapotski. Oui, Rapapotski, ça me dit quoi? Il est devenu le partenaire de Maurice. Hey boy. Ça, c'était une bonne équipe. Entre les deux, on avait essayé avec Maurice, avait essayé avec Ladek Kowalski puis Madoc Vachon. Mais c'était deux leaders. Ouais. Ça ne faisait pas une bonne équipe. Écoute, l'équipe, Paul, on s'aperçoit qu'il y a... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Ouais. Écoute, Paul, c'est on, à peu près le temps qu'on avait. Je suis infiniment, je te remercie infiniment pour ta générosité. Je sais que pour toi, c'est pas facile, que tu donnes presque plus d'entrevues. Écoute, que tu l'aies accepté pour mon podcast. Là, Écoute, Marc, ça aurait été très dur. Ça n'aurait pas été correct pour moi de dire non, je n'ai plus rien. Parce que j'ai eu des mauvaises expériences aussi avec certaines personnes qui se sont introduites comme des connaisseurs. Ouais. Ce n'était pas des connaisseurs, c'était des féliciteurs. Féliciteurs à la chose. Ouais. Mais ça, en tout cas, je vire la page là-dessus. Mais te dire non à toi, là, j'aurais pas été correct. Ben écoute. T'as fait l'énergie. T'as mis beaucoup de temps pour relancer l'affaire. On peut dire que ton approche était la bonne parce que ça va du vécu. C'est un gars qui a du vécu et puis tu l'appliques dans ton travail. Puis ça, ce monde-là, ben, sont de plus en plus rares. Hein? Écoute, je ne sais pas quoi te dire. Je te remercie de dire ça. Je te remercie encore d'avoir pris le temps de me parler. Puis on va se rejaser bientôt, mon Paul.
Merci, merci. Et salut à tout le monde qui vont t'écouter. Parce que un gars qui a du vécu, ça mérite d'être écouté. Ben, c'est donc, c'est incroyable. Bye-bye, mon Paul. Bye. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag. Le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. Un beau bonjour à M. Paul Leduc. Toujours un plaisir de l'entendre. Je suis tout le temps fier de dire que M. Paul Leduc, légendaire lutteur québécois, se rappelle de moi. Puis à chaque fois que je participe à un show de la FLQ, il dit « Hey, Maltais! » Qu'est-ce que tu fais? On jase un petit 2-3 minutes. Puis, c'est ça, je ne sais pas si je vais la revoir à un show, là, mais j'aimerais bien ça. Puis, Carl et Dina m'ont contacté il n'y a pas si longtemps que ça pour me dire que nous allions recommencer d'ici l'automne à faire des shows à la FLQ. Mais bon, on va attendre le téléphone. Puis, je vais t'inviter, Marc, un soir que tu viennes voir ça. Bien, ça va me faire plaisir. Surtout, ça va me faire plaisir de sortir par la porte en arrière. Puis, il faut que j'aille faire de la promo pour le livre. Là. Fait qu'oubliez pas le livre, Soyez-y, mesdames, messieurs. Co-auteur Bertrand Hébert est en écriture, sera disponible possiblement fin de l'hiver, début du printemps 2022. Tu parles de Bertrand Hébert et puis l'épisode d'avant, Bertrand nous parlait des équipes des années nostalgiques et puis de la corde et puis en l'écoutant parler avec passion de cette époque-là, tu sais, ça me... j'aurais tellement aimé ça, connaître la lutte et la vivre à cette époque-là avec les gros noms que tu nommes à chaque show, mais mon âge fait en sorte que j'ai pas pu connaître ça. En plus de ça, en vivant en région éloignée, nous n'avions pas d'événement de cette envergure comme ça. Chibougamau. Et puis, c'était fini. Ça faisait longtemps, les spectacles à Alma et puis à Chicoutimi, de mes années que je me rappelle, en fait. Mais tu sais, ça nous confirme que la lutte, c'est des vagues. Il y a des bouts que c'est très fort, d'autres bouts que c'est plus faible. Et ça nous amène à une autre génération de lutteurs, à Pierre-Carl, mon ami PCO. Aujourd'hui, il travaille uniquement en simple, avec son personnage qu'il a peaufiné avec Destro. Mais il a été longtemps... il a travaillé beaucoup avec Nelson Veilleux dans le temps. Et comme de raison, on se souvient de lui d'un Québécoise. Oui. Parce qu'il a été aussi, milieu des années 90, le pirate. Oui, Jean-Pierre Lafitte. Jean-Pierre Lafitte. Et puis, fait que quand même, écoute, c'est un Québécois qui a une carrière incroyable. Et encore aujourd'hui, à l'âge qu'il a... faire ce qu'il fait. C'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect. Je lis un livre en ce moment. Là, j'ai terminé. Là. C'est une série de 3 livres. C'est Les pires années de la WWF. Ça s'appelle Titan Sinking. Puis, en 1995, c'était l'époque où est-ce que la clique, Shawn Michaels, Diesel, Razor Ramon, il y avait le contrôle du vestiaire. Et puis, c'est eux qui étaient seulement au top. Et puis, les gars comme Pierre-Carl Ouellet n'ont pas réussi à percer parce qu'ils étaient bloqués par ces gars-là. Puis, il y a un passage, justement, de Pierre-Carl qui a fait affront à cette fraction-là dans le vestiaire. Et puis... ça a gâché son passage. Entre autres, il est arrivé de quoi à Montréal? Je ne sais pas si cette fois-là. Là, ouais. Ben, ça, c'est une fois parmi tant d'autres. Là, ouais. Il y avait beaucoup de politique. Ouais. Oui, parce que Jacques est revenu pas longtemps après, en 97-98, je pense, ou 99. Là, puis il a sacré son camp à cause de la politique, justement. Ouais. Puis il a atterri à WCW. Les Quebecers, ça m'a marqué parce qu'il y avait un épisode à Raw qui affrontait justement les frères Steiner. Et puis, excusez mon langage, mais je vais toujours me rappeler, Pierre-Carl, il a fait un move, puis il a dit assez expressément, «
toi, mon esti! Là, j'ai tellement reculé souvent sur ma cassette que la bobine est rendue presque effacée. Puis quand j'étais à l'émission, pas à mon émission, mais à la radio de Radisson, j'avais écrit un long courriel à Pierre-Carl Ouellette à RDS en expliquant tout. Ah, je te dis, Marc, il doit avoir comme 200 lignes. Puis quand j'ai pesé Center, pouf, le courriel à Pierre-Carl n'existait plus. Ah oui? Mais c'est pas grave parce que Pierre-Carl, c'est pas laid. Ben, je me dis, ça doit pas être le genre de gars qui lisait ses courriels. Ben, c'est pas vrai. Si c'est un pirate, lire. Oui, mais je veux dire, si c'est un pirate, c'est parce qu'il vole, hein? Il prend pas le temps de lire les bouteilles à la mer. Bon, on va aller à la pause et au retour, Pierre-Carl Ouellette qui nous parle justement des Québecers, entre autres. Garage Martin-Henri, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto, et ceux de M. Fun, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi, communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henri, ou encore au 450-433-0223. PCO, je vais te parler maintenant, te demander... mon podcast sur les équipes, les tag teams. J'ai eu, bien sûr, Sylvain Grenier, que tu appelles Sylvain Garnier, que lui a eu la résistance, puis à la WWE, il a commencé direct en équipe. Toi, comment tu vois ça, tag team, comparé à single competition? Ben. Pour moi, là, la manière que j'analyse ça aujourd'hui, je trouve que c'est quand même une position qui est le fun quand tu es soit en ascension, tu montes pour quelque chose de mieux ou tu mettons, tu es en après un gros super push, puis tu es comme au lieu de juste cruiser, de juste être. Attendre le prochain gros événement pour toi, mais tu sais, je pense que ça donne de quoi de bon pour aider dessus. Tu sais, ça donne une bonne vague, mais on s'entend que les championnats par équipe, c'est quand même des championnats de milieu de carte à peu près. Là, tu parles aujourd'hui, toi, là. Aujourd'hui, puis dans le temps de la résistance, puis nous autres, les Québécois, ouais, on était. C'est pas. Je pense qu'il y a eu les Road Warriors qui ont vraiment fait monter les titres par équipe, qu'ils ont fait passer quasiment en avant du titre de champion mondial à un moment donné. T'sais, tu pouvais mettre les titres en équipe dans la AWA, je te dirais à une époque, peut-être même dans la WWE. Ça aurait attiré autant que Hogan ou Steve Austin ou The Rock à une époque. T'aurais mis les Road Warriors pour leur titre mondial en finale. En tout cas, ils ont rempli le Forum de Montréal puis beaucoup d'arénas. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait à la NWA et à la WCW. Les Road Warriors, ils ont pris les titres qui étaient des titres de milieu de carte puis ils ont fait passer en titre vraiment important. Mais sinon, c'était ça. C'était quand même plus prestigieux en montant, mettons que. Même les British Bulldogs, c'était pas main event, mais c'était quand même des titres quand même assez prestigieux. Là, on prend les années 80-90, tu veux, mais aujourd'hui, dépendamment des compagnies, mais si tu regardes WWE, on n'est même pas capable quasiment de dénommer les champions par équipe. Tu sais, de Raw et de SmackDown, tellement que ça change souvent. C'est deux gars pas en équipe, mis ensemble. Ouais. Tu n'as plus vraiment de spécialistes équipe, tu sais. Mais des spécialistes. Mais toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as préféré ou qu'est-ce que tu préfères? Je sais que là, présentement, tu as une run, tu es individuel, là, mais pour toi, qu'est-ce qui est le mieux? C'est-tu travailler par équipe ou single? Ouais, ben moi, avec Nelson Veilleux, j'ai eu.
on était une équipe qui s'appelait Double Trouble, qu'on était partout en Europe, en Afrique du Sud, puis on a la place. Puis c'était vraiment c'est quelque chose qui me faisait triper. C'est ça. C'est, j'aimais vraiment parce que j'étais un fan des Road Warriors. Tu sais, même quand les Rougeaux luttaient en équipe pour lutte internationale contre les Garvins, tout ça, c'était quand même des combats d'importance. Tu sais, j'ai grandi en sachant pas vraiment la différence, tu sais, entre le titre par équipe et le titre mondial. Mais c'est sûr que quand tu veux faire vraiment la différence, tu veux vraiment laisser un gros impact, c'est sûr que le titre de champion mondial unique là, en solo, c'est y a pas rien de mieux que ça. Mais pour dire avoir du plaisir et triper avec un quand tu as un partenaire que tu t'entends bien avec, que tu as une bonne chimie, puis que tu as du fun sur la route, là, parce que c'est quand même des fois c'est un peu comme nous autres quand on était un duo, c'est le fun, mais on n'a jamais eu de chicane à rien, mais parce qu'on s'entendait bien, mais c'est ça, il faut que tu aies une chimie extraordinaire. Mais en tant que lutteur, laisse faire la chimie, laisse faire les... Non, mais parce que ça a une importance. Ça a une importance. C'est sûr que quand tu es en single, tu es bien plus... Tu as le contrôle. Tu as le contrôle, mais tu sais, tu es plus dans ton monde, tu es plus tout seul. Tu n'auras pas, mettons, quelqu'un dans la compagnie qui va être aussi proche que ton partenaire par équipe. Tu vas être plus comme... Tu vas avoir des bons chums un peu à gauche, à droite, mais ce ne sera jamais un lien aussi serré qu'avec un partenaire par équipe. Quand tu as un partenaire par équipe, souvent, tu vas te louer, tu vas prendre nous autres, on avait en Allemagne, il fallait se trouver des hôtels, il fallait s'arranger. Puis même des fois, on était tellement souvent ensemble que si on se faisait d'autres amis, ben je disais à Nelson, mettons, OK, je vais séparer une chambre, moi, avec un autre chum, puis lui, il prenait un autre chum pour un moment donné se donner de l'air, parce que c'était tout le temps ensemble. Fait que je ne peux jamais avoir un lien. Tu sais, moi, j'ai été vraiment proche, puis on se parle, moi, aujourd'hui, avec Sid Vicious, sans qu'il soit mon partenaire par équipe. C'était impossible c'était vraiment proche, mais c'était impossible d'être aussi proche qu'un partenaire par équipe. Mais tu sais, c'est ça. C'est rare que tu vas te faire une amitié comme moi et Sid, on a eu pendant peut-être une dizaine d'années. C'est très rare. J'ai pas vécu ça dans le professionnel. Parle-moi donc des Québécoises. Ben, il y a eu des super bons moments. Il y a eu des moments super drôles. On a eu du fun. On était super compétitifs. Tu sais, je veux dire, on allait jouer au tennis. Puis, tu sais, on voulait s'arracher la tête tellement qu'on compétitionnait, tu sais, un contre l'autre ou dans des sports. Tu sais. Mais à un moment donné, je pense que Jacques, il s'est foulé une cheville dans une partie de tennis juste, tu sais, parce qu'il voulait pas perdre. Tu sais, fait que, on n'a pas manqué de match, mais, tu sais, c'est une relation où on a eu beaucoup de fun, mais ça n'a pas été pour moi. Comment je pourrais dire ça? C'est pas un gars généreux. Mais c'est pas ta meilleure portion, là. Il y a plein de qualités, mais il y a eu comme quand c'est arrivé le temps qu'il fallait qu'on se sépare, là, j'ai rendu que ça faisait mon affaire. Là. J'avais besoin d'air un peu. Je chantais que je ne pouvais pas tout le temps avoir la liberté que je voulais ou de faire ce que je voulais. Je me sentais un peu pris dans une dynamique là, où que je me sentais un peu contrôlé. C'est le mot que je me sentais de même. Là. Mais la crise verte, là, vous avez invité Jacques, moi, la blonde que j'avais à cette époque-là qui avait des enfants. C'est super généreux. Mais c'était juste une dynamique différente qu'avec Nelson Veilleux ou que quand j'étais chum avec Sid, ça a route. C'est pas... J'ai eu du fun, par exemple. Puis en même temps, c'était mes premières années. Fait que, tu peux pas vraiment te plaindre. Quand tu as une année recrue, mettons, tu es avec un vétéran, ben, tu t'emboîtes la peau. Hein, t'as quand même eu les ceintures, ça, c'est hot. Oh, ouais. C'est... Écoute, c'est...
c'est un choix que j'ai fait. Là. J'aurais pu prendre le try-out de la WCW. J'aurais pu aller travailler pour Jarrett à Memphis, Tennessee pour pas beaucoup d'argent. Puis peut-être que j'aurais monté pareil avec d'autres contacts. J'ai fait ce choix-là quand on a vu. J'ai vu Jacques à Porto Rico puis me parler d'une opportunité. J'ai décidé de prendre cette décision-là. Qui sait ce que ça aurait fait si j'avais fait les autres choix? Mais ça se passait bien pareil. Parce que après, mettons, 2 ans, après ça, ça m'a donné la chance de faire le match de retraite à Jacques, qui était pour moi une expérience extraordinaire d'être main event au Forum de Montréal, capacité, tu sais, 18 500 personnes, puis d'avoir un undercard, Undertaker, Yokozuna, Shawn Michaels, Kevin Nash, tu sais, d'avoir tous les gros noms de la lutte professionnelle qui travaillent en dessous de ton match final. Ouais. C'est une belle expérience. Bret Hart, Owen Hart, qui était tout en dessous de nous autres. Tu avais 11 combats. Tu avais tous les journalistes qui étaient là, les grands, là, Régent Tremblay, Bertrand, Raymond, les columnistes, les grands journalistes. C'est quelque chose. C'était tout un événement. Ça, je pense que j'ai fait Martino à Sport Plus Extra. Je pense que je le faisais une fois par semaine, pendant 8-10 semaines. Avant le show, après le show. C'était de l'exposure incroyable dans ces années-là. Puis, 93, 94. Si je te demande ton top 3 en tant que fan des équipes, des tag teams, tu es sûr que tu vas me dire Legend of Doom en premier? Ça va être une, mais ça va être pas mal avec les British Bulldogs. Oui. Parce que j'aimais beaucoup le travail de Dynamite Kid. J'aimais beaucoup la manière qui je le trouvais vraiment différent. Je le trouvais vraiment sec, snappy. Puis les gars, il y avait des physiques eux autres avec les Bulldogs. Tu avais Davey qui était le gars fort. Puis tu avais Dynamite qui était le gars explosif. Je trouve que c'est un duo incroyable. Si ces équipes-là, ça s'était affronté, mettons, pour lutte internationale, ça aurait été complètement débile. Tu sais, t'aurais pu vraiment, tu sais, être quelqu'un qui aime pas. Mettons que tu mets Babyface, les British Bulldogs, puis méchant, les Road Warriors ou Legion of Doom. Ça, c'est deux de mes top équipes, là, c'est sûr. Comme troisième équipe, tu me demandes mes top trois. Pour la troisième, tu sais, je pourrais en nommer plusieurs. Là, Ben, si t'en as deux, c'est correct aussi. Là. C'est sûr que ces deux-là, c'est mes deux tops. Tu sais, pour okay. Le troisième, là, je pourrais y aller avec. Je pencherais plus sur la Hart Foundation. Même si je n'étais pas un gros fan de Jim Neidhart, je penserais plus pour la Hart Foundation, parce qu'ensemble, j'aimais ce qu'ils faisaient. Mm. Puis, mais les Rockers du temps de la AWA, juste avant qu'ils deviennent les Rockers avec Vince aussi, ça a été une équipe que c'est ça. J'aimais bien ce qu'ils faisaient pour l'âge que j'avais aussi dans ce temps-là. Là. Mais je pense que j'irais les top 3, là, j'irais en ordre, là, mettons, Road Warriors, British Bulldogs, puis Hart Foundation. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner le bord de la Shop à pâtes pour son appui. La Shop à pâtes au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, une épicerie fine que tu te dois de découvrir, un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100% semoule style italienne. Les meilleures pizzas sauce maison et des plats préparés maison, dont le mac and cheese. La Shop à pâtes 100% québécois y approuvé. Aliments du Québec. Visite shopapart.ca. Ben, gros merci à PCO, Pierre-Carl Ouellet, également à Paul Leduc. Écoutez, il y a tellement de sujets à parler pour les équipes, les tag teams. On n'a pas le choix, il faut revenir pour un autre épisode. Et j'aurai en entrevue
Pat Laprade, l'historien de la lutte au Québec, écrivain, qui lui va nous faire son top 10 des meilleures équipes qu'il y a eu au Québec à travers les époques. Et j'aurai également Raymond Rougeau, qui sera avec nous au CIM pour le prochain épisode. Et lui, en a long à compter, c'est sûr. Une grosse carrière en équipe. Alors, j'en profite pour remercier IG Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud, pour le rapport et, bien sûr, la participation. Si vous avez besoin de conseils, écrivez-moi en privé. Je vous mets en lien avec Maxime, Sylvain ou même LP. Alors, merci IG, gestion de patrimoine. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode encore sur les tag teams, les équipes. À soyez-y, mesdames, messieurs.